tous ceux qui étaient dans le rang, qui approchaient la Sainte Hostie, la moitié tombait dans les rangs déjà. D'autres, quand ils communiaient, et puis ils partaient en reculant dans le repos, dans l'esprit. La puissance de Dieu. Mais ce qui était beau, c'est qu'on a fini la veillée à 5h et quelques. Moi, j'avais déjà pris la route. Et je repartais chez moi. Quand vers 6h30, le curé qui était de l'époque, qui était mon ami, m'appelle. Il dit, hey, petit frère, tu as laissé quoi à l'église ici? Reviens, reviens sur tes pas. Viens gérer ce que tu as créé ici. Les gens qui venaient à la messe de 6h, qui n'avaient pas fait la veillée, quand ils entraient sur le territoire de Sainte-Cécile, le territoire était gué d'onction. Non, je vous l'ai dit, rempli d'onction. Les gens venaient et ils tombaient dans le repos. Certains poussaient des cris. Les démons quittaient les corps. La gloire de Jésus était dans ce lieu. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Le témoin, c'est qui? La Bible dit que le témoin, du moins dans la prière présidentielle d'ouverture, on dit que ton église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer le visage de son Seigneur. Le témoin, c'est un producteur de preuves. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Le témoin, c'est celui qui donne la preuve et qui devient lui-même la preuve. Je vous raconte ce qui s'est passé dernièrement à ma paroisse. On a fait une fête dimanche. Demain dimanche, on va faire une fête. C'est pour ça que je suis pas long ce soir. On m'a dit de témoigner. Hein? Je peux témoigner? On a fait une fête et je devais venir à 14h être à Abidjan. Parce qu'à 15h, j'avais une autre messe. Alors mon vicaire, qui m'aime beaucoup, dit pour toi, eh bien, oh. Parce qu'il y a des curés qui ne sont pas heureux. Moi, je suis un curé heureux. Mon vicaire qui m'aime beaucoup et qui veut me protéger de tous ceux qui veulent venir me voir à la manière de Pierre, qui refuse qu'on aille saluer Jésus. J'étais dans la chambre quand j'entends du bruit au salon. Le vicaire dit à cette dame qui est venue avec un enfant inconscient dans les mains, « Ah, madame, s'il vous plaît, le curé est fatigué, se repose, il doit aller à Abidjan. » Et c'est devenu des histoires. Donc j'entends le bruit au salon, j'ouvre la porte, je sors. Je dis, « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je vois cette femme qui amène un jeune garçon, peut-être de 16 ans ou 17 ans. Je vois une patte blanche ici. Il avait bavé et tout était asséché, les yeux fermés. Elle dit, mon enfant. Alors, je lui demande d'entrer à la chapelle avec l'enfant. Le salon, la chapelle. Quand vous viendrez me visiter, le salon, la chapelle. On fait entrer l'enfant. Parce que je ne voulais pas un scandale. Je voulais la contenter. Je ne savais pas ce que l'enfant avait. Donc je prends l'enfant par la main. Je dis, bon, ça suffit maintenant. Hein, lève-toi. Et puis, hein, Seigneur Jésus, bénis cet enfant. Hein, lève-toi et rentre. Et l'enfant se lève. Sa maman prend l'enfant. Prend l'enfant. Et puis, il rentre chez eux. Et moi, je viens à Abidjan. Et puis, le lundi soir, quand j'arrive, c'était un phénomène dans ma paroisse. Cette femme était venue d'une des chapelles de ma paroisse. Elle était venue d'un village avec son enfant sur une moto-taxi qu'elle avait louée. Tous les gens du village qui avaient été témoins de son départ avec l'enfant, tout le monde était à ma paroisse. Dès que je descends de la voiture, il a fait des miracles. Le Père a fait un... Quel miracle? Quel miracle? On dit, mais l'enfant, il va bien? Mon père, l'enfant était mort. Je dis, comment?
L'enfant était mort. J'ai dit quel enfant qui était mort? Mais l'enfant qu'on vous a amené là, c'est parce qu'il était mort qu'on vous l'a amené. J'étais dépassé. Si j'avais su, moi, que cet enfant était mort, jamais je n'aurais fait ce que j'ai fait. J'aurais dit, allons à la morgue. Je ne savais pas. Dieu a voulu fermer mon intelligence rikiki et laisser toute la place à sa suprême autorité, à sa glorieuse présence. Et les gens qui avaient suivi, on avait pensé que la femme était devenue folle, qu'elle n'avait pas supporté la mort de l'enfant. Mais elle a dit, c'est mon fils unique, c'est mon seul garçon, il ne peut pas mourir. Je m'avais trouvé le curé, il va demander à Dieu, pourquoi mon enfant meurt? C'était l'histoire. Donc on m'a déposé un enfant mort, et moi j'ai dit, jeune homme, lève-toi, ça va, hein, Dieu te bénit, rentre. Et il s'est levé, il est rentré. Oh, gloire à l'unique témoin. Il est assis là-haut. Il est assis là-haut. Il est assis là-haut. Il est assis là-haut. Je ne vous parle pas d'un film avec des caméras. Je vous parle de quelque chose qui s'est produit et qui m'a dépassé. S'il ne te dépasse pas, c'est qu'il n'a pas commencé à travailler avec toi. Parce que avant que tu ne fasses un pas, il a déjà fait deux pas. Le Seigneur que nous servons est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'était sans bruit. C'était sans tapage. C'était sans démonstration. C'était sans parole de connaissance. C'était sans j'ai senti l'onction. Parce qu'on n'avait plus besoin de sentir l'onction. Mais il fallait laisser l'onction se faire ressentir lui-même quand il a pris le contrôle de la situation. Oui, tu deviendras la preuve. Je prophétise sur quelqu'un en disant, tu deviendras toi-même la preuve. La preuve. La preuve. Dans ton lieu de travail, il faut qu'on sente que tu es la preuve. Oui, même quand on ne te voudra pas du bien, on devra reconnaître que tu es différent des autres. En Matthieu 5, le verset 16-17, il a dit que votre lumière brille aux yeux des hommes. Qu'ils voient. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils voient. Ta vie fera voir. Je vous relis la prière d'ouverture. Non, la prière m'a trop béni. Vous savez, comme moi, je ne sais pas prêcher, Dieu, il me facilite la tâche. C'est-à-dire, il s'arrange toujours pour me donner le test qu'il faut. Dis, c'est quoi ça? Qui peut discuter sur mon test là? C'est l'Église qui a écrit ça. Le jour de la mémoire de Saint Charles Borromée, on dit que le travail de l'Église, c'est de faire voir le visage de Jésus-Christ. Ce soir, ici, il ne doit plus avoir de doute. Il faut que nous voyions son visage. Voir le visage de Jésus, ça veut dire reproduire ce que Jésus a fait. Lisons Luc au chapitre 10, à partir du verset 1er. Écoutez, hein. Est-ce que nous avons commencé à témoigner de Jésus? Témoigner de Jésus, ce n'est pas prêcher. Excusez-moi. On peut être un prédicateur et ne pas être un témoin. Luc 10. Attends. Que je me rassure que tout le monde me suit. Je peux avancer? Dis avance mon père. Je peux avancer? Est-ce que tu es avec moi? Je dis, on peut prêcher sans être un témoin. Parce que le témoignage vous rend surnaturel. J'en dis, nous ne pouvons plus nous taire devant ce que nous avons entendu. Le témoin, il a entendu. Devant ce que nous avons vu,
Le témoin, il a vu. Il faut que tu vois. Je dis, il faut que tu vois. Le témoin, il a touché. Il faut que tu touches. Et ces trois verbes d'action doivent se produire dans ta vie pour te donner la qualification de témoin. Entendre, voir et toucher. Quand tu as entendu, quand tu as vu, quand tu as touché, tu deviens un producteur de preuves. C'est ça, oh. Et ma joie ce soir, c'est que ça se produira ici. Shiloh du témoignage. Pas pour aller entendre le témoignage d'un autre, mais devenir soi-même témoin. Le témoin, c'est ce que l'on peut reproduire et multiplier à souhait. Parce que c'est le prototype. Je veux que tu sois le prototype. Qui a déjà acheté une maison ici? Levez la main, je vois. Bon, laissez-moi prophétiser. Ceux qui n'ont pas acheté de maison encore dans leur vie, levez. Père, envoie sur eux cette onction. Amen. Quand vous allez dans une opération immobilière, pour vous convaincre que c'est une bonne affaire, on doit vous montrer la villa témoin. Tu seras la villa témoin. C'est sur ce modèle qu'on doit repliquer. Jésus n'a pas voulu des prédicateurs, je regrette. Jésus ne cherchait pas des prédicateurs. Hein? Jésus voulait des témoins. Parce que ce qui te donnera une longueur d'avance, c'est l'esprit du témoignage. Pour que ta prédication ne soit pas le récit de choses apprises, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Je veux que tu sois un témoin. C'est ce que Jésus veut. Vous savez pourquoi Jésus veut des témoins? Parce que seuls des témoins peuvent faire le job de Jésus. Luc 10, à partir du verset 1er. Écoutez bien. Tu n'as pas le choix, hein? Luc, dis-lui, Jésus, mon God puissant. Enfin, je vais dire, le Tout-Puissant. Je ne pars pas d'ici sans devenir un témoin. Je ne pars pas d'ici sans devenir un témoin. Sans devenir un témoin. Luc 10, 1. Luc 10, 1. Après cela, c'est-à-dire après les étapes où tu as été un chrétien quelconque, un chrétien qui n'a pas fait trembler les enfers, un chrétien qui n'a pas fait bouger les lignes de ton activité professionnelle, un chrétien qui était toujours là à dire oui patron, ta volonté patron. Non, c'est fini ça. Non. Il faut que le patron lui-même t'appelle et t'amène dans les confidences pour dire, s'il te plaît, je sais que ta présence est pour beaucoup ici. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour l'entreprise? Est-ce que tu peux prier pour notre stratégie? Oui. Vous pouvez être le dernier des employés d'une entreprise. Mais le patron, le big boss, doit savoir que c'est votre présence ici qui détermine les choses ici. Le petit Joseph, Genèse 39, est arrivé dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a remis les tendances de sa maison parce qu'il savait que le Dieu de Joseph n'était pas un Dieu quelconque. Dans l'entreprise où tu es, il faut que le big boss te remette le devenir de l'entreprise parce qu'il sait que ta présence est une bénédiction dans cette maison. Oui! Je veux que tu aies une marche en plus. Luc 10, 1. Après cela. Donc, il y a eu un avant cela. Avant cela, là, c'est avant Shiloh de ce soir. Là. Après cela, je veux que tu découvres ce qui va arriver maintenant.
Touche le voisin et dis accueille la prophétie. Dis accueille la prophétie. Dis accueille la prophétie. Dis Dieu va parler, accueille. Dis Dieu va parler, accueille. Dans la vie, il doit toujours y avoir un après cela. Et on doit faire la différence entre avant cela et après cela. Quand je célèbre la messe, aucune distraction ne peut m'habiter. Surtout quand j'arrive au moment de l'offertoire. Parce que j'ai devant moi l'hostie qui battait. Je savais maintenant, pas par toute ma théologie, pas par toute ma conviction spirituelle, mais je savais, d'après l'expérience que j'avais vécue, que là, à cet instant précis, que j'avais le bonheur de faire une visite au ciel, ou que le ciel faisait une visite sur la terre, et que quelque chose se produisait en ce moment. Quand j'arrive à ce moment-là, je suis sûr que tout malade qui me touche guérira. Je suis sûr que tout mort qu'on dépose devant moi se lèvera. Je suis sûr. Oui. C'est quoi ça, hein? Bon, excusez-moi. Ce n'est pas de ma faute. J'ai entendu, j'ai vu et j'ai touché. C'est comme ça? C'est comme ça. Un jour, je célébrais la messe. Chilo du témoignage, du témoignage. J'ai le bonheur de vous raconter des choses. Est-ce que je peux témoigner? C'était à la messe de 6 heures à Saint-Joseph de Yopougonka. Il y a des endroits où vous passez et vous êtes habité par quelque chose. Allez en pèlerinage là-bas. Ça s'est passé dans la sacristie. Même pas dans l'église. J'ai fini de célébrer la messe de 6 heures. Et puis, l'enfant de cœur, il a dit, mon père, je veux me confesser. Ah! Je le regarde un bout d'homme. Je dis, mais quel péché un enfant peut confesser à 6 heures du matin? Dis à ton frère, aïe, on peut faire des choses comme ça? On est fatigué, laisse aller dormir, petit. C'est quel genre de péché tu as? Mon père, mais comme c'est un enfant qui est venu, qui s'est levé à 5 heures, qui est venu faire messe à 6 heures, vraiment pas par conviction, mais pour ne pas créer une blessure intérieure, j'ai dû m'asseoir sans même écouter l'enfant. Il n'a qu'à parler de l'absolution. Ils ont parti. Dès qu'il s'est assis, bénissez mon père, je dis parle. Et puis, silence. Plus aucune parole. L'enfant ne parle pas. Mais comme j'étais distrait, je ne me suis même pas rendu compte. Au bout de quelques minutes, j'ai vu que l'enfant ne parlait pas, on était encore assis là. Donc je me tourne pour vouloir lui dire, mais parle. Et je vois l'enfant qui se tord, qui luttait, je ne sais avec quoi. Un petit garçon, un bout d'homme, peut-être 7 ans, 8 ans, je n'en sais rien, mais qui se tord, qui se tord. Le Saint-Esprit me donne en même temps l'intuition qu'il y a une force, une entité qui est en train d'oppresser l'enfant, qu'il subit ce qu'on appelle une vexation. Ça, tout ça se passe en une seconde. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est comme si on me dit, mais donne-lui l'absolution. Donne-lui l'absolution. Proclame le pardon de Dieu sur sa vie. Il n'avait encore rien dit. Et moi, je dis, et moi, je te donne l'absolution de tes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'enfant tombe comme s'il est mort. Mes pères, la puissance de l'absolution. Non, l'église est terrible. Il y a du pouvoir dans l'église. Il y a de la puissance dans l'église. Il y a de l'autorité dans l'église. Il y a de la force dans l'église. L'absolution. Quand je dis je te pardonne. J'ai seulement dit je te pardonne. L'enfant est tombé par terre. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis là sans parole et lui il est étendu comme mort.
On est resté là 10 minutes. Aucune parole. Je n'osais même pas le toucher. Et puis à un moment donné, l'enfant ouvre ses yeux. Et puis un sourire comme je ne l'ai jamais vu. Une lumière sur son visage. Et puis il me fait, il se suit comme ça. Et puis il dit, au revoir mon père. Je n'ai même pas pu répondre. Et je le regarde partir. Et l'enfant, il semblait étonné de mon attitude. Il marche un peu, il se tourne avec le même sourire. Il marche un peu, il se tourne. Et je le voyais dans la lumière en train de partir. Je proclame ici que tout ce que le démon a tenu pendant longtemps comme captif, vous êtes allé dans plusieurs prières, vous avez subi plusieurs délivrances, mais les entités continuent de dominer sur vous. Moi, par le ministère qui m'a été donné, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je proclame la délivrance pour chacun d'entre vous. Gardons une minute de silence, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une autorité de Dieu qui a été relâchée ici. Service d'ordre, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Amenez-moi tous ceux-là qui ont été tenus dans les liens de l'ennemi pendant longtemps. Qui ont été tenus dans les liens de l'ennemi pendant longtemps. Amenez-les-moi, s'il vous plaît. Amenez-les-moi, s'il vous plaît. Amenez-les, s'il vous plaît. Je proclame que c'est terminé. Tu entreras dans ta maison. Tu dormiras chez toi. Tu ne seras plus quelqu'un qui est en fuite. Amenez-les-moi, s'il vous plaît. La gloire de Dieu est ici. Que plus jamais on ait à prier pour la délivrance pour toi. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Et j'impose le silence à l'ennemi. Laissez-le, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît, sur la place. Nous continuons l'enseignement pour finir. Luc 10, à partir du verset 1er. Vous, vous amenez les personnes et nous, on continue l'enseignement. Jésus a dit en Jean 6, le verset 63, les paroles que je vous ai dites ne sont pas de moi, mais elles sont l'esprit et elles donnent la vie. Toutes les personnes malades, en danger de mort, je dis, recevez la puissance de vie en vous maintenant, au nom de Jésus. S'il y a des grands malades ici, maintenant recevez la délivrance. Maintenant recevez la guérison. Soyez impactés par l'esprit qui donne la vie. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Silence, s'il vous plaît. Luc 10, verset 1er. Je termine. Luc 10, verset 1er. Après cela, parmi les disciples. Parmi vous. Le Seigneur en désigna encore 72. Le Seigneur en désignera beaucoup ce soir. Et il les envoya deux par deux. Pour faire quoi? Il en désigna encore 72, encore beaucoup. Et il les envoya. Je voudrais vous dire que le Seigneur a décidé de vous envoyer. Envoyer où? Écoutez bien. En avant devant lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Jésus désigne ce soir pour que vous soyez
en ambassade, en représentation de lui-même, partout où lui, Jésus, doit aller. Amen. Ça veut dire que quand vous êtes quelque part, c'est la preuve que Jésus est là-bas déjà. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Laissez-moi vous dire, service d'ordre, tenez-vous très près. Levez les mains. Il y a des gens ici qui ne savaient pas que Dieu les attendait pour la délivrance de leur famille, pour la délivrance de leur activité professionnelle, pour la délivrance des maisons où vous vivez, pour la délivrance de toute porte qui a été ouverte pour vous. Dans le lieu où tu es, tu seras la délivrance de ce lieu. Tu seras la délivrance de ce lieu. Tu seras la délivrance de ce Dieu. Tu seras le salut pour cet endroit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Service d'homme, amenez-moi toutes ces personnes que le Seigneur a choisies ce soir. Il en a choisi. Il veut vous amener maintenant là où lui, il doit se rendre. Donc là où tu es, c'est là où Jésus a décidé de se rendre. Que le cœur m'accompagne, s'il vous plaît. Je prie avec les pères pour vous, c'est le ministère qui est là. Levez-vous, s'il vous plaît. La gloire est là. Je dis recevez. 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 L'esprit du témoignage. L'esprit du témoignage. Seigneur, merci de faire de chacun de nous un témoin pour ta gloire, toi qui vis et qui règne maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations au Seigneur? Nous donnons des acclamations au Seigneur. Nous allons faire silence et nous allons terminer par la prière. Seigneur, nous arrivons à l'offertoire. Nous voulons rassembler sur cet autel et devant toi la prière de tous et de chacun. Que par cette Eucharistie, la délivrance, la paix, la libération, la fortification et l'esprit du témoignage nous habite pour la gloire de toi qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous passons direct. On acclame encore très fortement le Seigneur. Nous passons à l'offertoire. Thank you.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée, de même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus. Accorde-nous, par la puissance de ce sacrifice, de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Nous sommes au sommet, des sommets de ce moment de prière. Nous sommes au moment où tout est rendu possible. Je voudrais vraiment nous inviter au recueillement et à la prière. L'Église fait l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. Nous sommes vraiment dans ce sommet. Mon frère, ma sœur, ici, l'Esprit et l'Épouse, d'une même voix, demandent que vienne le Christ. Et il est là, il sera là, au milieu de nous. Tout ce que tu portes dans ton cœur, c'est le moment de l'exprimer. Pas besoin de savoir quelle est la vertu ou la sainteté du prêtre. Mais en cette heure, à cet instant précis, Dieu rend tout possible pour nous. Ouvre ton cœur maintenant pour le recevoir. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. »
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous en sommes d'abord, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec nos papes François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux de nos différentes familles. Ceux pour qui personne ne prie, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous tes enfants ici réunis. Nous implorons ta bonté sur tous les étudiants, sur tous les enseignants de cette université. Nous implorons ta bonté sur les organisateurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en communion les uns avec les autres, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons un geste de paix. Assemblée, il y a des ministres extraordinaires qui pourraient nous aider dans la distribution du corps du Christ. Vous êtes priés d'avancer. Ministre extraordinaire, merci. L'esprit et l'épouse disent ensemble: viens, Seigneur. Apocalypse 22, 17. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Thank you.
Seigneur, tu nous donnes ton corps, et ton sang, Marie.
Oh,
Seigneur, merci pour ce que tu fais au milieu de nous, pour ta présence que nous avons accueillie dans ta parole et surtout dans le pain eucharistique. Et je voudrais donner ce message à une personne ici. Pendant l'homélie, je recevais déjà cette parole, je tentais de l'exprimer, mais là, maintenant, je la ressens encore plus fortement en moi. Il y a une personne ici qui n'arrive pas à dormir chez elle, dans sa maison. Je ne sais pas quelle est la nouvelle qu'on vous a donnée, mais vous avez peur d'entrer chez vous-même. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans cette maison. Et vous êtes obligé de dormir ailleurs comme quelqu'un qui n'a pas de maison. Ce soir, j'annonce cette parole de libération pour toi. Pour que tu puisses retourner dans ta maison. Je voulais te demander de t'avancer ici. Nous allons prier pour toi. Si ça ne te gêne pas. Mais parce que vraiment, je l'ai ressenti très fort. Et si tu viens ici demain, je voudrais, comme demain, c'est le Père Abécan qui sera là, je souhaiterais vraiment qu'il prie pour toi. Il ne faut plus pleurer. Le Seigneur est bon pour vous. Père, bénis ta fille pour qu'elle rentre dans sa propre maison. Et qu'elle ne vive pas comme quelqu'un qui est obligé de fuir sa maison. Mais ça me surprend que vous êtes plusieurs dans cette situation, mais je suis en même temps édifié. Je vous en prie, je souhaite que demain, vous puissiez demander la prière du Père. Demain, nous jouons ici la finale. Et le Père sera là. Excusez-moi, je dis quelque chose de très sérieux, je ne veux pas qu'on joue avec. Je parle de quelqu'un qui n'arrive pas à dormir dans sa propre maison et qui est obligé d'aller dormir ailleurs parce qu'elle pense qu'il y a une menace sur sa vie. Si vous êtes vraiment dans cette situation, si vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'êtes pas concerné. Vous revenez demain, le Père va prier pour vous. Est-ce que vous êtes propriétaire de maison? Vous qui êtes là, vous êtes chez vous-même, voilà, c'est précis. Bon, nous levons les mains, nous prions. Père, en ce samedi consacré à Marie, en cette mémoire de Saint Charles, tu nous as donné cette parole dans cette Eucharistie. Plusieurs sont venus, mais c'est toi qui sais la réalité de ce que les gens vivent. Cette maison dont on dit qu'elle est infestée, dont on dit qu'elle est hantée, dont on dit qu'il y a une puissance qui y vit, dont on dit qu'elle est devenue sujet, motif de danger, de mort. Je brise cela au nom de Jésus et te prie de libérer tes enfants qui sont là pour qu'ils puissent retourner dans cette maison et que cette maison, vous la fassiez bénir par le curé le plus proche de là où vous êtes. Retournez dans cette maison et il n'arrivera rien. Que l'ange de l'Éternel campe dans cette maison et vous délivre de tout danger. Au nom de Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint-Charles fidèle à son ministère et débordant de charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons maintenant tous les objets que vous avez apportés. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui régis l'univers du ciel et de la terre et de qui nous vient tout don excellent.
Regarde tes enfants venus participer à cette journée de prière. Ils ont apporté dans ce lieu des objets de piété et de dévotion, des croix, des médailles, des livrets de prière, l'eau, le sel, l'huile, l'encens et tout ce qu'ils tiennent en main et qui servent à leur piété. Bénis ces objets de piété, Seigneur, afin qu'en usant, tu nous tournes vers ta grâce et nous apportes le réconfort de ta présence. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que cette bénédiction repose sur vous et sur tous les membres de vos familles. Paix et joie. Amen. Voilà, bonne soirée à tous et à demain. Amen, amen. Nous rappelons rapidement, demain c'est la finale, le dress code de la journée de demain. Nous venons vêtus de blanc, donc nous venons habillés de blanc. Nous avons laissé ce numéro ce matin pour ceux qui voudraient faire partie de notre armée Shiloh, armée de gagneurs d'âmes. 07 07 49 40 70. 07 07 49 40 70. Demain, le dress code blanc, que Dieu vous bénisse. Jésus. Tous les serviteurs sont invités devant le podium pour la prière de communion. Tous les serviteurs pour la prière de communion rapidement. Merci.